4 par ligne. On va partir d'ici à descendre. Le jour se lève à peine et déjà une vingtaine de vendangeurs est à pied d'œuvre. Le domaine de Trémica entre Casalione et Ambiègne s'étend sur 5 hectares. Il est né de la rencontre entre Richard, commercial en vin, et Angélica, œnologue. Les vendanges, un passage obligé mais aussi un rituel, c'est le moment où la famille et les amis se réunissent. Typiquement, c'est quelque chose qui est piacevole. Un peu dépend des giorni, un peu plus dur, mais sinon, c'est quelque chose qui est important et bon, c'est un travail qui est piacevole quand on y va, c'est tout ensemble comme ça. C'est le moment attendu chaque année de venir vendanger chez Richard et Angélica. Alors eux nous remercient, mais moi je suis plutôt dans le sens inverse et c'est moi qui les remercie. Je les remercie de passer des moments merveilleux, d'abord parce qu'on est entre amis. Des moments où la convivialité laisse aussi la place à un peu d'inquiétude. C'est toujours le mois où je dors pas. Voilà, c'est parce que c'est pas les vendanges en elles-mêmes, c'est pas stressant parce que bon, on est plus ou moins rodés maintenant, on s'organise toujours de la même façon. Voilà, mais ce qui est stressant, c'est les vinifications qui arrivent derrière. Voilà. Le millésime est bon, les gelées n'ont pas endommagé la production. Entre mer et montagne, Trémica est balayée par les embruns salés et l'air frais du Crodino. Résultat, un goût rare en Corse. Autre particularité, l'utilisation de 7 cépages endémiques comme le Bianco Gentile et le Minustello, cultivés au fur et à mesure de l'agrandissement du domaine. Une fois la récolte terminée, direction la nouvelle cave sur la route de Sagone. 142 cagettes de 12 kg ont été remplies exclusivement en raisin noir. Place à présent à la vinification. Le raisin, une fois récolté, est refroidi dans ce conteneur. C'est un conteneur thermorégulé qui nous permet de descendre les raisins à température. Et une fois descendu autour des 6-7 degrés, on va le travailler dans la cave. Donc je vous invite à me suivre et à avoir un peu le suivi. Le raisin donc, qui sort du conteneur est éraflé. Donc on l'érafle grâce à cette machine qui va nous permettre de faire un éraflage de très bonne qualité qui ne va pas triturer les raisins. Il tombe dans la trémie que vous voyez devant. Donc on sépare en fait les baies et la rafle. Et ensuite, via la pompe qui est juste derrière, il est mis directement dans la cuve. Plusieurs heures dans la cuve seront nécessaires avant la fermentation et plusieurs semaines dans les tonneaux et les doliums pour la transformation en vin. Le domaine de Trémica propose des produits toujours dans le but de sortir de l'ordinaire en faisant de la qualité et surtout pas la course récompense.